Satuné Alagbe versus Robin Rizu, qui sera le titulaire? Conseil, pub, promo, monétisation, plus 229 53 63 87 30. Coucou, salut, salut, j'espère que vous allez très bien. Pour ceux qui viennent de me découvrir pour la première fois, ici, ce sont les News On News, plusieurs informations dans une même vidéo. Des fois, on vient en édition unique, comme le cas de ces news. On va parler, bien sûr, du cas Satuné Alagbe. Il évolue à Dijon, notons que Dijon est descendu et Satuné Alagbe, c'était le gardien numéro 2, bien sûr, de Dijon. Et bon, Dijon est descendu. Il y a eu quelques remaniements au sein de Dijon. On va en discuter et vous allez donner vos avis après. Et ça fait gros bruit actuellement sur les réseaux sociaux. Je reçois beaucoup de messages comme quoi, bon, Satuné Alagbe, est-ce qu'il sera numéro 1, est-ce qu'il sera numéro 2, nouveau gardien? Parce que j'avais fait une vidéo antérieure où j'ai dit, bon, Dijon est en train d'appeler un jeune. Le jeune est déjà arrivé et il a un nom, bien sûr. Robin Rizu, on rentre de plein pied, hein, déjà dans ces news. Il n'y a pas de tâtonnement encore à faire. Il a un nom, Robin Rizu, il est arrivé et je puis vous déjà garantir que, bon, selon les informations que j'ai recueillies de ça et là, le petit serait titulaire. Robin Rizu, le petit serait titulaire. Il a seulement 18 ans. Il évoluait en U19 français et numéro 1 sous forme de prêt. C'est une grosse honte pour Dijon. Cette vidéo, c'est que c'est un coup de gueule, un coup de gueule, vous voyez. Donc, on peut prendre ça comme ils veulent. C'est une grosse honte. C'est pas parce que vous descendez en national, c'est-à-dire équivalent de la 3e division en France, que vous allez aller chercher. Ils sont allés chercher un gardien de 18 ans qui est numéro 1. Le gardien, le petit sera numéro 1 pour Satuné Alagbe. Il a 18 ans et il vient sous forme de prêt, s'il vous plaît. Il quitte Strasbourg où il n'a pas eu le temps de jouer parce qu'il se faisait barrer, bien sûr, par Mats Sels. Il est le doublé de Mats Sels à Strasbourg et le petit vient et il est titulaire. Maintenant, quelle forme de prêt encore? Prêt sans option d'achat. Ça veut dire que c'est un joueur à fort potentiel. Il est U19 français, bien sûr. Il est en équipe nationale de France. Et c'est un joueur à fort potentiel. Donc, et Strasbourg n'a pas envie de laisser le petit parti. Mais le petit vient en prêt à Dijon, vous voyez. Et il sera numéro 1 pour Satuné Alagbe. C'est une insulte pour notre gardien. Moi, je demanderais à Satuné Alagbe de quitter Dijon. Si on peut même rompre son contrat et tout, il n'a qu'à quitter. Maintenant, j'apprends aussi dans les policiers, il y a des médias qui écrivent que Satuné Alagbe est sur le départ. Bon, si le joueur est sur le départ, parce qu'ils ont amené ce petit-là, ils ont commencé par faire leurs choses. Moi, je trouve raison au joueur. S'il est sur le départ, je lui trouve raison, hein, pleinement. Parce que je ne peux pas taper une longue saison de Ligue 2, même si j'étais numéro 2. Et on amène un petit de 18 ans qui est encore en centre de formation. Vous voyez, prêt sans option d'achat, un petit qui sera numéro 1. Et moi, celui-là. Non, 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 c'est trop facile. Il faut que Satuné aille chercher catégoriquement ailleurs. Parce que vraiment, quand moi j'ai appris ce truc-là, ça m'a fait mal. Robin Rizu. Maintenant, ces gars, les dirigeants de Dijon. Qu'est-ce qui ne dit pas qu'en jouant même en national, ils ne vont pas descendre en national 2, équivalent de 4e division? Satuné est prêt à rester à Dijon. Maintenant, pourquoi ne pas lui laisser sa chance et il va essayer de remonter encore ce club, sachant bien qu'il a une expérience. Maintenant, on prend un jeune comme ça, Satuné n'a qu'à quitter. Maintenant, quand Satuné va quitter, bon, il peut aller acheter encore un autre pour le placer numéro 1 ou bien numéro 2. C'est une insulte. Je tenais à sortir rapidement par rapport à cela et vous allez donner vos avis en commentaire. Je vais profiter, bien sûr, pour finir avec une information, ouais, concernant nos U23 dames. U23 dames, ils ont joué contre le Burkina Faso. Ils ont perdu 4-1 au stade général Mathieu Kérékou. But de Yolande Ouami, la meilleure joueuse, bien sûr. Ce 12 juillet, déjà dans deux jours. Les Burkinabés vont rencontrer le Mali, cette dame-là. Bon, nos Amazones. Encore du travail, hein, parce que le Burkina Faso est en train de préparer les Jeux Olympiques à Paris 2023. C'était moi, Lures. Ciao.